Hey, salut Moussaillon, ici Jurassic, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de bateau. Cette fois, ce sont deux petits catamarans. Alors, j'ai fait ces catamarans en réaction à la dernière vidéo, en fait, celle sur l'Imoca 60, qui vous a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et pour répondre aux commentaires de South Docks, qui me demande, enfin qui m'a proposé de faire un bateau JT, c'est-à-dire. Avec, enfin, qui est penché avec le vent qui appuie sur les voiles. Donc comme le vent pousse sur les voiles, le bateau se penche. C'est comme ça avec tout type en général de voilier. Et donc j'ai décidé d'en faire en fait. J'ai fait deux petits catamarans comme ça qui sont penchés. Alors comment je les ai penchés? Simplement, en fait, j'ai fait les bateaux au départ normaux, c'est-à-dire que je les ai fait droits comme d'habitude. Enfin. Pas penché ni rien, normal quoi. Et après avec World Edit, j'ai décalé en fait les différentes couches des bateaux. Enfin c'est très compliqué en fait. Je sais, mais c'est même pas c'est assez compliqué, c'est hyper compliqué. Et du coup j'aimerais bien vous l'expliquer, mais c'est super compliqué et j'explique pas super super bien. Donc si jamais ça vous intéresse, demandez hein, si vous voulez un tuto pour faire des bateaux comme ça dans les commentaires. Mais c'est vrai que le tuto sera pas, enfin sera sûrement pas très clair et sera surtout compliqué à comprendre. Donc voilà. Donc je vais vous faire le tour un peu. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais vous faire le tour de ces petits bateaux, donc toujours avec le sillage, hein, parce que si le bateau est penché, c'est que il avance, donc forcément il laisse une trace dans l'eau, donc c'était pour faire un peu plus réaliste, si on peut faire du réalisme dans Minecraft, bien sûr. Donc les matériaux que j'ai utilisés à chaque fois pour le mât et les baumes, donc les baumes ce sont les espèces de bras comme ça qui tiennent les voiles, que ce soit à l'avant ici ou à l'arrière. Donc je les ai faits en black stained clay. Les bras qui tiennent les flotteurs entre eux, je les ai faits en red stained clay. Et les coques et les voiles sont faites en laine soit blanche soit rouge. Enfin oui, ici c'est du violet bien sûr. Et les foils ici, donc les espèces de bras comme ça qui descendent dans l'eau et qui permettent au bateau de s'élever comme une aile d'avion en fait, qui permettent de s'élever au-dessus de l'eau, je les ai fait en neige. Et donc voilà, je les ai penchés, c'est surtout ça que je voulais vous montrer, vous dire. Donc je vais vous faire le tour comme ça. Parce que y a pas énormément de choses à dire, hein. Les catamarans sont pas super détaillés, mais c'est vrai que la nouveauté c'est que ils sont penchés et moi ça enfin, je trouve ça joli en fait de pencher des bateaux comme ça. La technique a encore quelques problèmes, hein, genre au niveau des détails, au niveau des coques, c'est surtout au niveau des coques qu'il y a des problèmes, parce qu'après les voiles, bon ça passe quand même si vous voyez que c'est pas super super. Donc j'essaye à chaque fois de perfectionner la technique. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des petites erreurs comme ça. Voilà. Je vais vous faire le tour, j'ai pas grand chose à dire. Vous voyez que j'ai rajouté des villageois pour faire des marins qui naviguent sur le bateau. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire. Je vous fais surtout le tour pour que vous puissiez voir. Voilà, je trouve ça vachement sympa, pardon, de pencher des bateaux. Je trouve que ça donne une originalité particulière aux bateaux de course comme ça. Pour ceux qui souhaiteraient télécharger ces bateaux, sachez que dans pas très très longtemps, je ferai une map compilation avec la plupart de mes bateaux de course. Donc je pense à eux, je pense surtout à l'Imoca 60 qui est le fleuron de ma flotte de voiliers de course. Mais je pense aussi à ceux que je ferai d'ici là. J'ai quelques projets, hein, parce que j'aime beaucoup les voiliers de course. Je trouve ça assez original et c'est vrai que ça a pas été énormément fait, que ce soit sur YouTube ou sur Planète Minecraft. Et donc voilà, on va se laisser sur cette vue des deux bateaux qui
font la course, ouais, on va dire ça comme ça. Non, pas spécialement, mais bon. Voilà que j'ai mis côte à côte pour les présenter comme ça. Quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, pour pas rater les prochains voiliers de course dans ce genre-là. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @team22studio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. À plus, moussaillon!